Ce lundi 9 décembre après-midi dans les grosses têtes, Laurent Ruquier a fait une boulette. Il a dévoilé, visiblement par erreur, le nom de l'aigle dans Mask Singer. Pourtant, l'identité du participant à l'émission de TF1 devait rester secrète. La prochaine fois, il tournera cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ce lundi 9 décembre après-midi, dans son émission Les Grosses Têtes, diffusée sur RTL, Laurent Ruquier s'est laissé aller à une gaffe à propos de l'émission de TF1, Mask Singer. Rappelez-vous, le principe de cette émission est de deviner l'identité de personnalités qui chantent sous des costumes plus ou moins impressionnants. Et l'animateur a dévoilé l'identité de l'aigle sans se rendre compte qu'il faisait une grosse boulette. Alors qu'il posait une question sur le nom du roi de Suède, Carl XV Gustaf, que ses chroniqueurs devaient deviner, Valérie Mérès a tenté, Carl Zéro Gustaf. Une réponse sur laquelle le présentateur dont n'est pas couché sur France 2 a rebondi, mais pas de la meilleure des manières. Carl Zéro. Il n'a rien à voir là-dedans. Carl Zéro, il est dans Mask Singer, a spoilé Laurent Ruquier. Une déclaration qui survient un jour après que Carl Zéro a publié un message sur ses réseaux sociaux dans lequel il commentait une rumeur. L'apostrophe, assimilant à un volatile qui fait des doigts d'honneur éructant du rock'n'roll dans un concours de chanteurs masqués sur la première chaîne de télévision française. Faribole. Je vous appelle au sérieux. Je vous appelle à la prudence, pour ne pas dire à la décence. Est-ce que j'ai une tête de rocker impoli? De voyous emplumés? Une vidéo pleine de second degré qui montre que l'ancien trublion de Canal Plus n'a pas changé. Laurent Ruquier a tenté de se rattraper. Oh, je suis pas sûr que ça a été dit ou pas déjà? Question à laquelle Stéphane Plaza a répondu que ça n'était pas officiel. Bon ben, ça vous fait gagner du temps pour vendredi prochain, répond alors Laurent Ruquier. Qui faut-il croire? On sera fixé vendredi lors de la...